devrait arriver, je pense. Un, deux, trois. Ouais. Un, deux, trois, essai. Oui, j'entends du coup des. Bien. Bonsoir. Ok. Ben, bonsoir à tous. Bonsoir à toutes et à toutes. Et merci d'être à cette première soirée thématique où on va regarder la montagne et le vol libre avec les yeux d'un professionnel, guide de haute montagne et secouriste, qui nous parlera aussi un petit peu de la gestion des risques. Alors, on va partir un peu sur un format type Live des AS pour ceux qui connaissent. C'est un événement qui est organisé tous les deuxièmes mercredis du mois par la FEDE et par et pour les animateurs sécurité. Et nous, on se fait un peu notre version régionale. Voilà, donc le principe est le suivant. Vous avez le live en YouTube. Vous pouvez poser vos questions dans le chat directement et on les prendra et on les posera à notre intervenant. Alors, on a organisé cet événement entre l'Étoile du Sud, qui est un club toulousain de parapente, et le CDVL 31. Et peut-être que notre président du CDVL 31, Jean-Luc Lemont, veut dire quelques mots sur le CDVL. Jean-Luc, c'est à toi. Jean-Luc, t'es en mute, en fait. Problème technique, voilà, avec le micro ouvert, ça sera mieux. Donc, Jean-Luc Lemont, président du CDVL 31, merci d'être présent sur la chaîne YouTube du CDVL 31 pour cette troisième soirée thématique. La première, c'était avec Google Sheet, on avait exposé les 100 participants. La deuxième, 300 participants. Là, normalement, avec YouTube, ça devrait être tranquille. Sinon, on se réserve de louer un petit temps sur la chaîne L'Équipe de la TNT. Donc, cette soirée, c'est une idée de Benjamin Herry, qui ne l'a pas dit. Les moyens techniques sont assurés et mis en œuvre par Pauline Combette, notre secrétaire du CDVL. Quelques mots sur le CDVL 31. Donc, notre mission est de promouvoir toutes les disciplines du vol libre. Donc, pour cela, nous aidons les jeunes dans leur début en parapente et également le public féminin. Pour les pilotes plus aguerris, nous mettons en place quelques aides financières, style CIV, tyrolienne, PSC1. Et maintenant, donc, nous avons profité du confinement et sur une idée de Thibaut Vargas, qui est un moniteur fédéral du 31, de mettre en place des soirées théoriques et thématiques pour parfaire les connaissances de tout un chacun. Et enfin, le CDVL 31 aide à maintenir en état les sites conventionnés du département. Donc, je vous souhaite une bonne soirée et je passe la parole à Benjamin. Merci Jean-Luc. Alors, pourquoi est-ce qu'on est parti sur cette soirée à thème, en fait? Il y avait plusieurs raisons. C'était, moi, je suis personnellement animateur sécurité, donc on s'intéresse à la gestion des risques. Gestion des risques qui est, disons, une activité un petit peu naissante hein, dans le vol libre, alors qu'elle est complètement ancrée dans certaines cultures, notamment de la montagne. Et donc, l'idée, c'est de voir un petit peu comment ça se passe chez les autres. Ça, c'était le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'en l'espace de 4 ou 5 mois, dans notre club, on a eu deux héliportages. Et donc, on aurait voulu voir un petit peu comment, disons, les secouristes professionnels voyaient notre activité de leur point de vue et comment ça se passait, le secourisme, de leur côté. Donc, ce soir, l'objectif, c'est pas du tout de faire le procès, hein, notamment de ces héliportages ou quoi que ce soit. On ne va pas s'attarder sur des cas particuliers. Mais c'est plutôt de s'intéresser vraiment au cadre de la gestion des risques en général, en se basant sur des retours d'expérience particuliers certainement, mais voilà. Et surtout, c'est une séance d'information, hein. On ne fait pas de la formation ce soir, voilà, je tiens à préciser quand même, mais c'est plutôt pour donner des billets. Et pour cela, on a la chance de recevoir ce soir Thomas Carrel, qui est secouriste au peloton de gendarmerie de haute montagne, les guides de haute montagne notamment. Et voilà, ce soir, bah, il est là pour répondre à nos questions. Donc, merci Thomas et bonsoir. Ouais, bonsoir à tous. Alors, si tu le veux bien, est-ce que tu pourrais nous rappeler un petit peu rapidement quelles sont les missions finalement du PGHM et comment vous êtes organisé, quels moyens vous disposez en fait pour répondre à votre mission? Ouais,
Alors, ouais, tout d'abord, nous on est à peu près en gendarmes secouristes en France, on est à près de 280. On est répartis entre soit les PGM, le peloton de gendarmerie de montagne, ou PGHM, sur une vingtaine d'unités sur tous les massifs français. Donc des Pyrénées, Massif central, les Vosges, le Jura, les Alpes, la Corse et la Réunion. Alors notre principale mission, c'est nous d'intervenir dans le milieu qui est assez difficile, qui est la montagne. Donc on a les principales missions, c'est nous de prévenir les accidents et informer les pratiquants, secourir les personnes en difficulté, les recherches de personnes disparues, surveiller les zones de montagne et bien sûr diligenter les enquêtes qui sont consécutives aux accidents en montagne, parce qu'on est aussi bien sûr les gendarmes. Donc après un accident, soit grave ou soit avec un professionnel, il y a quasiment tout le temps une enquête. Donc voilà pour nos principales missions. Et du coup, tu disposes de quels moyens, enfin, vous disposez de quels moyens au PGHM pour répondre à cette mission? Nous, on pense tout de suite à l'hélicoptère. Ouais, alors on va dire que pratiquement 90-95% de nos interventions se font en hélicoptère. Donc on dispose, alors chaque unité est différente. Le secours en montagne, c'est le préfet du département de montagne qui gère le secours chez lui. Donc chaque unité travaille un peu différemment, mais on travaille tous avec un hélicoptère, donc soit l'hélicoptère de la gendarmerie, soit l'hélicoptère de la sécurité civile. Donc après, si vous devez avoir l'hélicoptère, ouais, il ne faut pas vous étonner de voir soit avoir le bleu, soit le rouge et jaune. Ensuite, en terrestre, on a des 4x4, on peut avoir des quads chenillés, des véhicules sino pour les maîtres de chiens d'avalanche. Et ensuite, on a tout le matériel, comme les pompiers, c'est-à-dire un matériel technique d'extraction, de conditionnement, de réanimation et des moyens de transport. Et avec ça, on est aidé aussi par un réseau radio qui est un réseau montagne qui est spécifique à la gendarmerie. Donc ça, c'est pour intervenir. Donc en gros, voilà les moyens qu'on a nous pour intervenir sur le terrain. Donc du coup, là, puisqu'on est avec le CDVL 31, pour le 31, si j'ai bien compris, l'hélicoptère est basé à Tarbes, si je ne me trompe pas, c'est ça? C'est ça, ouais. Donc, on travaille avec le PGHM de Pierrefitte. Moi, je suis à Luchon. Donc, on travaille avec le 31 et le 65. On travaille ensemble. Et voilà, quand il fait beau, quand l'hélicoptère peut partir, les secouristes sont basés à Tarbes. Mais du coup, ça veut dire que l'intervention ne se fait pas dans un claquement de doigts, quoi. Parce que Tarbes-Luchon, par exemple, il y a quelques minutes de vol, j'imagine. Ouais, exactement. Alors, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que selon les massifs, à part à Chamonix où le délai est raccourci dans le massif du Mont-Blanc. Hein. Mais sinon, le délai, ça peut vite aller de 20 à 30 minutes une fois qu'on a reçu l'alerte pour arriver sur la zone, s'entraîner. Ouais. Parce que si on n'est pas en vol, Tarbes, Luchon, elles font du massif, ouais, on n'est pas loin de 30 minutes de vol. Du coup, ça veut dire qu'en pratique, vous êtes obligé de prioriser vraiment des interventions parce qu'il y a un facteur temps qui n'est pas du tout négligeable, alors c'est ça? Ouais, alors après, nous, on va prendre l'aspect technique, le secouriste en montagne, mais il va avoir aussi le médecin du SAMU. Donc, ils sont une dizaine de médecins en montagne pour le 65 et le 31. Et donc, c'est le SAMU qui va aussi donner son avis par rapport à la gravité de la blessure. Et ensuite, on va prendre ces éléments-là, plus les éléments techniques qui sont plutôt à la montagne. Et avec ça, on va privilégier une ou l'autre victime. Ouais. D'accord, ouais. Donc ça, c'est quand même des contraintes et des limites qui ne sont pas négligeables. Et en gros, par an, vous faites à peu près, vous réalisez combien d'interventions en moyenne hein? Alors, sur le département, parce que nous, il faut savoir, 65 et 31, c'est une semaine. Une semaine, c'est le PGHM, une semaine, c'est la CRS, la police, donc les CRS montagne de Lannemezan. Sur le 31, ça doit faire à peu près 160-170 interventions, et les Pyrénées, ils sont peut-être à entre 450 et 500. D'accord. Sur l'année, avec les deux unités, hein, PGHM et CRS. Après, j'imagine que, bon, si on regarde comme ça... Ça fait à peu près une intervention tous les deux jours en moyenne, mais en réalité, c'est pas du tout étalé comme ça. Il y a toujours des pics. Et ouais, exactement. Alors, il y a forcément les périodes un peu creuses à l'automne. Donc, ça peut aller 5, 6, 7 secours à 0 secours. Ouais. Ça dépend vraiment de la période. Donc, là, l'hiver, là, avec les vacances, il y a plus de monde. C'est vraiment
c'est que ouais, c'est un peu comme les saisonniers, quoi. C'est le travail en haute saison, quoi, l'été et l'hiver. D'accord, donc ça a vraiment un impact sur la disponibilité finalement des secours. Du coup, parlons un petit peu maintenant de l'accidentologie. Sur ces interventions que vous faites chaque année, est-ce qu'il y a vraiment des interventions qui sont un peu types, qui reviennent constamment, je ne sais pas, des avalanches, des blessures, des épuisements? Est-ce qu'il y a des interventions types vraiment? Alors, c'est pas des interventions. Enfin, chaque intervention est différente. Après, par contre, on peut avoir les. Ça va être l'hiver principalement des. Alors, nous, quand on intervient sur les pistes, avec des blessures assez graves. Ensuite, skieur de randonnée, hiver, randonneur à raquettes, un peu d'alpiniste aussi. Et l'été, ça va être randonneur, alpiniste, parapentiste, vététiste, trailer de plus en plus, et pratiquant du canyon. Après, il peut y avoir des chasseurs aussi. Voilà. Après, il n'y a pas d'intervention type. Par contre, voilà, les activités sont voilà, c'est un peu toujours les mêmes, quoi. Et du coup, est-ce qu'on retrouve quand même des facteurs communs à toutes ces interventions? Si elles sont toutes différentes, est-ce qu'il y a quand même des causes principales d'accidents qu'on retrouve? Est-ce que c'est parce que la montagne est dangereuse, en fait? Ou c'est juste qu'on est mal préparé? Ou c'est même encore autre chose? Ouais, alors avant, ouais, c'est vrai qu'on parlait de la fatalité. Dès qu'il y avait un accident en montagne, c'était la fatalité, la montagne, c'est dangereux. Alors, est-ce que la montagne est dangereuse? Je sais pas si c'est moi qui ai la réponse. Hein. Je pense que la montagne, oui, c'est un milieu hostile. C'est comme la mer, c'est des milieux hostiles. Donc oui, forcément, il y a plus de risques en montagne que d'aller courir autour d'un terrain de foot. Mais finalement, on se rend compte que quasiment tous les accidents, il y a une cause humaine. Il y a le facteur humain qui rentre dedans et il y a toujours une cause, il y a une erreur. Alors, elle peut être petite, souvent c'est des petites erreurs qui se sont cumulées qui font qu'on arrive à l'accident. Et c'est quasiment 95% des accidents, maintenant on se rend compte que c'est une erreur humaine. Ouais. Une petite faute, donc ça peut être une petite faute qui a de grosses conséquences, hein. Mais souvent c'est des petites fautes qui sont cumulées. Et donc c'est pour ça qu'après on arrive à essayer de gérer ce risque qu'est la montagne pour diminuer le risque d'accident. Des petites erreurs, c'est quoi? Enfin, tu me parlais une fois d'un randonneur qui coupe un lacet, par exemple. Ça peut être quoi comme conséquence? Ouais, alors, chemin... une mauvaise préparation. Quelqu'un qui s'est bien préparé techniquement, physiquement. Ça peut être un niveau technique insuffisant pour la randonnée ou la sortie qu'il avait prévue. Une méconnaissance aussi de la montagne. Quand on part en bas de la vallée, il fait super bon, on ne se rend pas compte que là-haut, dès que l'orage arrive, ça peut être vite dangereux. Des négligences quelconques, hein. Ça peut être une mauvaise préparation d'itinéraire, une mauvaise lecture du terrain. C'est plein de petites erreurs qui cumulées, peuvent vite amener à l'accident, quoi. D'accord. Et du coup, ce qui nous amène un petit peu à la manière dont on peut limiter les risques d'accident, quoi. Donc, vous, qu'est-ce que vous avez comme méthode en tant que secouriste et aussi en tant que guide de montagne? Parce que ça commence à être ancré chez vous, la gestion des risques. Et en pratique, comment vous faites pour limiter les risques d'accident? Alors, je vais parler rapidement. Nous, pour le travail, on a des retours d'expérience où chaque erreur, parce qu'on est tous amenés à faire des erreurs. Donc voilà, dès qu'il y a une erreur, on fait un retour d'expérience dessus pour alimenter toutes les unités et voilà, expliquer ce qui s'est passé. Ensuite, pour la montagne, ce qui a vraiment amené la gestion des risques, c'est les avalanches. Donc c'est un guide chercheur suisse, Munter, qui il y a quelques années, les années 90, a développé, pour essayer de diminuer le risque d'avalanche, qui est très complexe, a développé une méthode de 3x3. Et donc cette méthode-là, elle a été récupérée et vraiment et adaptée un peu à toutes les activités maintenant, aussi bien l'été aussi. Et donc ça, c'est une méthode qui permet de... Bah, voyez le tableau. Je détaille un petit peu. Ouais. Donc ça prend trois. Il y a trois filtres. Donc là, il y a un critère. Le premier, c'est le facteur humain. Ensuite, c'est les conditions. Donc ça s'appelle les conditions niveau, les conditions météorologiques. Et de la montagne. Et ensuite, il y a le troisième critère, c'est le terrain. Et le premier filtre, c'est la préparation. Donc, c'est-à-dire quand on prépare une course en montagne, donc ça peut être 2 mois avant ou la veille, si c'est une expé ou si c'est juste une sortie de la journée.
Ensuite, il va avoir le deuxième filtre qui est le début de l'activité. Ça, c'est quand on arrive vraiment, on sort de la voiture au début de la sortie. Et ensuite, le troisième filtre, on prend en compte, c'est pendant la durée de la course. Et ce qui est vraiment important, c'est donc le premier, on va prendre le facteur humain dans le critère 1, premier filtre. Donc là, c'est vraiment typé pour les guides, mais ça s'adapte à tous les sorties aussi bien. Et donc, on se pose des questions sur le niveau technique, sur notre niveau et celui à qui nous accompagne, sur notre état physique et psychique. Alors, le psychique, c'est super important. Notre niveau d'expérience, le niveau d'équipement. Donc ça, il y a plein de... Je ne vais pas tout détailler. Mais ça, en fait, quand on répond à ces questions, on se pose une question. Voilà, par exemple, mon niveau technique. Bon, aujourd'hui, je suis vraiment en forme. Je vais faire une telle sortie. Donc là, je peux continuer ma sortie. À mon état psychique, quoi. Alors, en ce moment, ça ne va pas très bien. J'ai eu des problèmes au boulot. Finalement, dans ma tête, je ne suis pas si en forme que ça, quoi. Et donc, on va se répondre à ces questions. Et on va se dire, bon, bah là, l'état psychique, là, je ne suis pas très en forme. Je vais peut-être pas aller engager autant que si j'étais vraiment en état d'esprit sain, quoi. Et donc, on va se poser ce genre de questions. Et niveau, c'est pareil. La météo, pareil. Et voilà, c'est pas de... Une fois qu'on répond à ces questions-là, on va se décider si on maintient notre projet ou pas. Ou si on a une solution alternative, ou si on annule la course. Donc, c'est pas parce qu'on a un critère qui est dans un peu en voyant rouge qu'on va forcément arrêter la course ou ne pas y aller. Mais ça va nous dire, attention, aujourd'hui, ouais, il y a peut-être un voyant qui s'est allumé, donc on va peut-être pas faire ce qu'on avait prévu, quoi. Donc, nous, c'est vraiment ce genre de choses qu'on travaille et qui, pour moi, au parapente, ça s'adapte très bien aussi, quoi. En l'adaptant un petit peu, on peut se préparer. Parce que je vais prendre, voilà, on a eu une intervention. Enfin, il y a une intervention qui est ressortie, c'est un groupe qui part faire un vol en rando sur un sommet qui était enneigé. Ils se retrouvaient donc un peu galérés dans la neige. Et un des parapentistes était sûrement moins en forme que les autres. Il s'est retrouvé un peu fatigué, arrivé sur le déco. Et le problème, c'est que ce gars-là, bon, c'était le meilleur pilote. Donc tous les autres ont décollé en se disant, bon, nous, si on arrive à décoller, il va réussir à décoller. Sauf qu'avec la fatigue, il n'était plus dans son état d'esprit qu'il avait au départ de la course et il n'a pas pu décoller. Donc on a été obligé de le récupérer, mais c'est un problème parce que... Enfin, c'est pas un problème, c'est que si les questions s'étaient bien posées, finalement, peut-être qu'il ne serait pas resté tout seul au sommet, quoi. Il aurait peut-être décidé d'être à redescendre à deux à pied ou de tenter le déco. Après, est-ce que c'est pas un peu un problème du parapentiste qui pense toujours à voler et qui oublie qu'il doit aussi marcher, il est randonneur et qui nous environnement un peu, qui demande de prendre des précautions, quoi. C'est vrai que, enfin, nous on voit très bien au niveau des animateurs sécurité le parapente et c'est là où je dis que la gestion des risques n'est pas forcément encore entrée dans la culture. C'est-à-dire qu'on pense d'abord parapente et tout ce qu'il y a dans ton tableau en fait, on ne le prend pas toujours en compte, quoi. J'ai un peu l'impression. Pourtant, la méthode, en effet, semble assez directe. Et on a toujours la même chose, décision, maintien du projet, solution alternative, annulation. Et ça, on le décline, en effet, donc avant, en préparation, au début et pendant, quoi. Ouais. Et j'ai l'impression, en effet, que nous, des fois, en tant que parapentiste, on oublie la première étape qui est vraiment la préparation, où on le fait un petit peu par-dessus la jambe. Mais voilà, c'est juste une remarque personnelle et ça n'engage que moi. Mais oui, d'accord. Même en plus. Alors, du parapentiste, il a l'aspect vol, décollage, et l'aspect aussi montagne quand il va en vol rando. Donc, il y a deux fois plus de critères à prendre en compte. Mais je pense que si tout le monde on essaye, parce que le but, c'est pas de. On va pas arrêter les accidents comme ça. C'est juste essayer de se poser des questions pour le diminuer, parce qu'on est tous sujets, moi le premier, à faire des erreurs. Il y a des jours, on est dans la tête, on est moins bon, ou on a fait. Mais justement, en se posant quelques questions, ça nous ouvre un peu des voyants en se disant « attention, là ». Et je pense que ce tableau-là, il peut s'adapter vraiment. Et le parapentiste, c'est sûr, parce que le parapentiste, quand il fait 1000 mètres de dénivelé, il arrive là-haut, il se dit « non, je redescends pas, c'est pas possible ». S'il se pose vraiment quelques questions un peu clés, il va se dire « ouais, bon, bah, écoute, c'est pas grave, ce vol, je pourrais revenir, tant pis, je redescends à pied, quoi ». Mais ça, quand on a porté la voile, pour vous, je pense que c'est un peu… Je pense que le déco, on a envie d'y aller, quoi. Mais ça me rappelle, je me permets d'intervenir là-dessus, ça me rappelle un petit peu ce qu'on appelle les biais cognitifs. Il y avait une présentation de Jean-Marc Galland au
dernière ASMO d'ailleurs, où il parlait des biais, le biais des coûts irrécupérables. Donc en effet, une fois que tu as monté par exemple ta voile et que tu as sué pendant 3 heures, tu te dis bah non, mais c'est bon, je vais continuer quoi, parce que sinon j'ai tout perdu. Et en fait, ça peut pousser en effet à prendre la décision de voler alors que tous les voyants sont peut-être pas ouverts, quoi, comme tu dis. Donc connaître ces biais, c'est peut-être le début pour éviter le problème. Mais en pratique, comment tu fais, parce que savoir si ton voyant, la couleur de ton voyant, est-ce que c'est pas un peu subjectif? Comment est-ce que tu arrives à rester objectif par rapport à ça? Ah non, mais c'est ça. Finalement, le facteur humain, c'est un peu de se regarder dans une glace. Hein. C'est accepter de se dire... Alors, quand on est en groupe, c'est le plus dur. Alors, quand on est tout seul, c'est encore assez facile de se dire « Bon, aujourd'hui, franchement, je suis pas bien là. » Mais quand on est en groupe, entre copains, là, c'est beaucoup plus difficile de discuter. Et pour ce genre de critères, en facteur humain, c'est vraiment discuter entre les participants. C'est vraiment la clé, parce que souvent, on n'ose pas le dire, et finalement, l'autre à côté, il pense pareil. Il dit « Ouais, mais là, tu vois, le vent, il n'est pas bon pour décoller. » Et si personne ne se parle, il y a un qui y va, bon, l'autre y va, et finalement, c'est là l'accident. Je pense vraiment. Après, voilà, c'est pas parce qu'il y a un petit voyant qui dit attention, sinon on arrête tout, mais c'est vraiment plus de se dire voilà, là j'ai un petit voyant, aujourd'hui je suis pas très en forme, je vais quand même tenter d'écho, mais finalement, au lieu d'aller faire 1000 mètres, je vais peut-être faire le sommet qui fait que 600 mètres de dénivelé. Je pense que c'est plutôt ça, c'est pas un critère qui dit stop, on arrête tout, parce qu'on en trouvera toujours un qui dira, qui va nous ouvrir un peu les yeux, quoi. Mais au moins, si on est mieux préparé et qu'on a une solution alternative et qu'on a vraiment fait un travail en amont, a priori, on peut déjà limiter pas mal de problèmes, quoi. Exactement, ouais, c'est ça, c'est vraiment de limiter, c'est vraiment la gestion des risques, c'est pas d'arrêter. L'idéal, ce serait ça, qu'il n'y ait plus d'accidents, mais je pense que c'est vraiment de diminuer au maximum les risques, quoi. Parce qu'on se rend compte que souvent, alors je vais prendre les accidents au décollage, hein, c'est souvent des gens, en soi, c'est le niveau technique qui est pas assez. La personne, alors soit elle n'a pas revolé depuis un moment, elle n'a pas fait de gonflage, soit c'est une personne qui, ça fait une heure qu'elle est au déco, alors au bout d'un moment, elle en a marre. Tant pis, il y a un petit créneau de 30 secondes pour décoller, et non, c'est trop court. C'est souvent, voilà, c'est... Alors finalement, les gens, si on se posait les questions, on se dit, bon, non, là, le vent, il n'est pas bon, c'est pas grave, ça fait une heure, je redescends, quoi. Et tu me disais, alors c'est un parallèle vachement intéressant parce que j'ai l'impression qu'on est en train de vivre ce que vous avez vécu il y a une paire d'années déjà. Tu me disais que finalement, ces méthodes-là, si je me souviens bien, vous les aviez mis un peu en place suite à des problèmes d'assurance, en fait. C'est que si vous ne preniez pas à bras le corps la gestion du risque, peut-être que votre profession, là je parle en tant que guide de haute montagne, pourrait pas exister, quoi. C'est ça ? Et oui, oui, oui. Et oui, à un moment, c'est... Le problème des assureurs, c'est... tout le monde le voit maintenant, il y a des dépôts de plaintes de partout, c'est souvent les assurances qui... C'est une histoire d'argent, quoi. Donc oui, le guide, forcément, si il y a trop d'accidents, à un moment, les assurances, il n'y en aura plus, quoi. Donc, et pour chaque fédé, tous les sports qui sont un peu plus à risque, s'il y a beaucoup d'accidents, à un moment, plus personne ne voudra assurer, quoi. Parce que nous, on a eu exactement, si je dis pas de bêtises, au dernier appel d'offres pour un assureur, je crois qu'il n'y a eu qu'une seule réponse. Et en gros, voilà, on est un peu, l'épée de Damoclès aussi sur la tête. Et du coup, vous avez mis en place ce type d'approche, par exemple. Mais tu parlais aussi de rétax, finalement, qui sont rentrés dans la culture, donc de retour d'expérience. Donc, chaque fois qu'il y a un petit souci, vous essayez de le faire remonter et le partager au sein de la communauté, c'est ça ? Ouais, ça commence à... Alors ça, c'est pareil, ça vient petit à petit, parce qu'il y en a qui sont un peu réticents à ça, qui n'osent pas dire non plus. De dire à tout le monde, ouais, j'ai fait une erreur. Et je pense que... Enfin, c'est pas que moi, on est beaucoup à le penser. C'est que il n'y a que comme ça que ça va avancer, si vous voulez dire, voilà. C'est sûr qu'il y a des erreurs, on se dit, non, mais ils vont rigoler quand je vais leur dire que j'ai fait ça, mais si des gars expérimentés l'ont fait, tout le monde peut la faire, quoi. Et encore plus des professionnels d'un sport, par exemple les guides de montagne, forcément le guide qui va tous les jours sur la vallée blanche, c'est logique qu'il ait plus de chances de tomber dans une crevasse, même s'il connaît très bien le... Et encore plus, voilà, des professionnels. Donc je pense que ça, il faut oser en parler, et après ça rentre vraiment à force, ça rentre dans les mœurs, quoi. Et voilà, il ne faut pas avoir peur de se dire, voilà, moi, j'ai vraiment... un parapentiste qui décolle, qui a fait un déco de merde,
Ben voilà, il explique pourquoi il a fait ça. Peut-être, mais vu un à Arbas, un mec qui volait très fort. Hein. Ça faisait un an qu'il n'avait pas revolé. Ouais, il a failli se foutre dans les arbres d'entrée de jeu. Et pourtant, c'est un très fort parapentiste, parce que ça faisait un an qu'il n'avait pas sorti la voile. Quoi. Donc, c'est vraiment l'exemple. Voilà, se dire, ouais, merde, j'aurais peut-être dû refaire peut-être une heure de gonflage avant. Quoi. Ça parlera à beaucoup d'entre nous, entre confinement, couvre-feu et puis météo pas forcément avantageuse pour notre pratique. Donc oui, merci pour le message. On pensera faire du gonflage avant. Ok. Et du coup, donc la montagne, en effet, il y a la gestion du risque, tout ça. Et quand tu parles on parle de vol rando. Hein, là, d'ailleurs, au club, on en a un qui est un peu un cadre là-dedans, avec d'autres compères. Donc, dans vol rando, il y a rando. Comment on peut se former un petit peu à la montagne et à la gestion des risques en montagne de manière générale? C'est quoi la meilleure façon de faire? Alors là, il y a les clubs alpins français, il y a la Fédé de la montagne aussi, donc il y a des stages qui sont organisés, hein, s'inscrire dans un club. Après, en vol rando, si c'est une rando classique, il n'y a pas forcément besoin de se former, mais par contre, vous pouvez vous renseigner auprès des professionnels, pour savoir un peu les conditions de la montagne. Parce que bon, il n'y a pas forcément besoin de grande formation. C'est quelqu'un qui est sportif, qui fait un sommet classique avec un gros sentier. Par contre, on ne sait pas forcément quand on part du parking à 1000 mètres qu'à 2500 mètres, il y a encore de la neige, quoi, et qu'il faut des crampons. Donc ça, par contre, vous pouvez vous renseigner auprès des professionnels. Donc soit il y a les bureaux des guides, il y a les PGHM, les CRS de montagne. Donc ça, vous pouvez vous renseigner, vous appeler la veille pour savoir quel matériel il faut, quoi. Et je pense que déjà, si le gars fait ça, je pense qu'il aura déjà pas mal de renseignements. Après, nous, on vous renseignera que si on a les infos. On n'est pas tout le temps dehors non plus. Mais voilà, je pense que déjà, sans se former, si c'est de la randonnée classique, déjà de se renseigner sur les conditions, je pense que c'est déjà c'est un des critères, c'est lié dans la 3x3, hein. C'est les conditions de la montagne et le terrain. D'accord. Voilà, ça a été surprise, quoi. Alors, j'en profite pour rappeler que pour les participants là, au YouTube, vous pouvez poser des questions dans le chat. D'ailleurs, là, il y a une question qui arrive. Donc, au niveau de la préparation, d'ailleurs, quid de la météo sur Internet? Alors, j'imagine, est-ce que le sens de la question, c'est est-ce que c'est suffisant ou comment le faire, en fait? Est-ce que là, tu as quelques billes là-dessus à partager? Au moins, vous, dans votre activité. Pour reprendre la météo? Ouais. Ouais. Oui, voilà, sur Internet, il y en a. Après, il faut... Eh bien, c'était Marc Boyer qui disait ne pas prendre trop pour le parapente, hein, ne pas prendre trop de météo, 2-3, c'est déjà pas mal. Mais après, nous, on a la météo montagne. Après, sur Internet, on la trouve, mais si vous n'arrivez pas à la trouver, vous appelez les unités de secours en montagne et nous, on peut vous la donner, la météo montagne. Parce que souvent, elle diffère un peu des météos pour la vallée, quoi. Des fois, il y a du vent en altitude et qui n'est pas forcément annoncé sur la météo classique, quoi. Donc ça, vous pouvez, si vous ne la trouvez pas sur Internet, vous pouvez nous contacter. Nous, on vous la donnera sans problème au téléphone. Bah, ce qui nous ramène d'ailleurs au sujet suivant, parce que, bon, imaginons qu'on a tout mis en place pour limiter les risques et il se passe quelque chose de complètement improbable, on se fait dégommer par une météorite, j'en sais rien. Hein, et on doit vous appeler. On est en détresse et on doit faire venir les secours. Alors, la première remarque qu'on a eue dans le club, c'est « Mais non, mais je ne vais pas déranger. » Donc, du coup, on n'appelle pas. Et est-ce que c'est la bonne chose, finalement? Quand est-ce qu'on prévient les secours? Quand est-ce qu'on vous appelle? Parce que là, tu dis même qu'on peut vous appeler pour une question de météo. Donc, finalement, on peut appeler n'importe quand. Ouais, n'importe quand, ouais. Alors, après, c'est sûr que si vous appelez à 11h du soir pour avoir la météo, on vous dit, non, mais je rigole, mais oui, vous pouvez appeler, les bureaux sont ouverts dans un service public, hein, on est là pour vous renseigner, ça fait partie, comme je le disais tout à l'heure, hein, c'est prévenir les accidents et informer les pratiquants, hein. C'est une de nos premières missions, donc oui, il ne faut pas hésiter à nous appeler, même pour préparer votre vol rando, ouais, il n'y a pas de souci. Ensuite, quand vous êtes sur le terrain, ben, c'est pareil, vaut mieux nous appeler tout de suite. Dès qu'il y a le problème, il est 2h de l'après-midi, que d'attendre, surtout à cette période, que d'attendre à 17h, juste avant la tombée de la nuit, quoi. Parce que sortir l'hélico de nuit, c'est toujours plus risqué pour tout le monde.
aussi bien les pilotes que les secouristes que la victime. Donc oui, vous appelez. De toute façon, nous, si ce n'est pas une mission, s'il y a d'autres missions qui sont prioritaires, on fera les autres missions. Ensuite, si vous n'êtes pas vraiment blessé, mais il faut venir vous chercher, on viendra vous chercher. Hein. On ne va pas vous laisser en montagne. Donc surtout pas hésiter à appeler, quoi. Et comme ça, au contraire, plus on vous appelle tôt et plus vous pouvez anticiper la mission et la préciser, c'est ça? Exactement. Ça complique tout de suite les choses. Si vous nous appelez, vous êtes au déco, bon, à l'été, il est 10h, il n'y a pas eu encore de secours, bon, bah, on viendra vous chercher tout de suite. Alors que si ça commence à enchaîner les secours, bah, vous risquez peut-être de passer toute la journée dehors. Bon, si c'est que ça, ça va, si vous n'êtes pas blessé. Hein. Mais voilà, ouais, non, il ne faut surtout pas hésiter à nous appeler. On est là pour ça et on traitera l'alerte comme il faut. Et voilà, si on doit vous faire attendre, on vous fera attendre, mais on viendra. Mais surtout, n'attendez pas trop pour nous appeler. Ouais. Mais on appelle qui, en fait? On ne juge pas. Nous, on a tous fait des erreurs, donc on ne jugera pas ce qui s'est passé. On n'est pas là pour ça. Hein. D'accord. Et on appelle qui, en pratique? Le PGHM directement? Non, alors, il faut faire le 112. C'est directement au centre d'entraînement des appels. Et ensuite, ça, c'est traité là-bas. Et après, ils retransmettent. Dès que c'est en zone montagne, c'est retransmis à l'unité de secours en montagne. Mais alors, comme là, on vole souvent sur la frontière, je risque d'appeler l'Espagne. Est-ce que c'est un problème? Ouais, après, c'est, si vous tombez côté espagnol, vous faites un vol en vol de distance, vous tombez, bah, vous appelez, c'est pas grave. Surtout dans les zones les Pyrénées, on capte plus, on tombe sur les relais espagnols qu'aux français. Mais non, c'est pas grave, vous faites le 112. Là. Après, c'est retransmis à l'unité compétente. Ça mettra peut-être un petit peu plus de temps, mais ça, c'est pas gênant. Donc, c'est pour ça qu'il faut mieux faire le 112, comme ça, on est sûr d'avoir le numéro partout en Europe. Quoi. D'accord. Donc, on n'est pas sûr. Dans tous les cas, on appelle et vous gérez derrière. Maintenant, alors, un cas inverse. Imaginons que j'ai eu un braque, j'ai fini dans les arbres, par exemple, mais je m'en sors indemne et puis je redescends tout seul de la montagne. Est-ce que je vous préviens aussi pour vous dire qu'il n'y a pas de problème? Eh oui. Alors ça, il faut le faire parce qu'on n'y pense pas assez souvent, mais c'est que... Là, une voile en l'air toute seule, souvent on arrive, il y a plein de gens qui la voient, quoi. Enfin, le parapentiste, il ne voit peut-être pas, sûrement qu'il ne voit pas. Mais il y a peut-être des gens qui vous jumellent, ou l'été, il y a beaucoup de familles qui se promènent et qui voient une voile, donc ils la regardent, ils la voient, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont appeler les secours. Ouais. Donc vous appelez pas, mais il y a d'autres personnes, il y a peut-être, ça arrive régulièrement, hein, qu'on reçoit plusieurs appels pour la même alerte. Et donc, le parapentiste ne nous appelle pas, les secours vont être déclenchés, ils vont aller sur zone. Et finalement, ils vont arriver sur zone et ils vont voir que le parapentiste n'a rien du tout. Donc ça peut... c'est pas grave, les secouristes sont venus pour rien. Mais ça peut, voilà, en même temps, il peut avoir une autre alerte aussi assez grave, on va perdre des délais par rapport à ça, quoi. C'est plus par rapport à l'autre victime. Donc oui, il faut appeler, vous prévenez, j'ai eu un vrac, mais tout va bien, je suis à tel endroit... Et comme ça, voilà, on le sait et on ne fait pas décoller et ça empêche de laisser passer un cas un peu plus grave, avoir un délai un peu plus grave pour une autre victime potentielle. Donc justement, comment est-ce qu'on peut vous aider à nous secourir finalement? Donc déjà, si je comprends bien, en vous donnant une position la plus fidèle possible, des points GPS, des choses comme ça peut aider? Ouais, les points GPS, ça va nous faire gagner du temps. Parce que souvent, voilà, dans une pente, vous ne savez pas forcément, sur une vol de distance, c'est pareil, vous savez pas forcément, enfin, vous avez souvent le GPS, mais voilà, si vous arrivez à nous donner un point GPS, c'est le top. Parce que un parapentiste, on a une grande pente, alors selon la couleur, on ne voit pas forcément, selon si c'est la roche ou de l'air, on ne voit pas forcément le parapentiste. Alors vous allez nous voir en hélico, est-ce que vous allez nous entendre arriver, mais nous, c'est très difficile de trouver le parapentiste dans la pente, quoi. Donc, si on a un point GPS, ouais, c'est le top. On gagne énormément de temps. Ouais. Et donc ça, ce qui vous amène d'ailleurs au matériel, quel est le matériel de base dont doit disposer un parapentiste, par exemple, pour vous aider à nous secourir? Par exemple, pour le point GPS, est-ce qu'il y a du matériel ou une application particulière qui est recommandée? Ouais, alors des applications, moi je ne suis pas le spécialiste des applications, mais oui. Il y a des... Il y en a qui ont ça, des logiciels, vous savez, pour être tracé un peu, là, comme ça, votre femme, elle sait où vous êtes, comme ça, elle n'a pas peur. Donc ça peut nous aider à savoir où vous êtes, ouais. D'accord. C'est le top, ouais. Ça évite
ça arrive, voilà, il y avait un parapentiste qui a plusieurs jours à le retrouver, s'il a vu ça, on aura pu savoir un peu où il était plus rapidement. Ouais. Bah justement, en fait, je rebondis là-dessus, parce qu'en effet, il y a eu un événement tragique, malheureusement, l'été dernier, celui que tu évoques, et suite à ça, nous, au club, on a eu des achats groupés d'une balise capture. Je demandais, parce que je ne sais pas si vous travaillez avec du matériel particulier, mais nous, on est parti là-dessus. Plusieurs membres ont acheté une balise capture. Ils ont créé une chaîne, en fait, dans le club. Donc ça, je partage ça pour éventuellement, s'il y a d'autres clubs qui nous écoutent. On a un wiki dans le club, dans lequel on a un trombinoscope, et chacun, finalement, a une ligne dans laquelle il peut indiquer son adresse de balise capture, ce qui permet finalement à chacun de savoir où il se trouve et de partager l'information au secourisme. Donc, donc ça peut en effet être utile, quoi. Ah ouais, ça c'est très utile, ouais. Pour nous, ça peut vraiment nous aider. Ouais. Parce que tu disais que ouais, ça peut prendre énormément de temps pour trouver un parapentiste ou n'importe qui, notamment quand il y a des randonneurs qui font des signes à chaque passage d'hélicoptère. Oui, parce que il y a deux solutions. Si vous ne savez pas, par rapport à la voile aussi. Pour nous aider, ça, j'ai pensé à ça, c'est tout à l'heure, là, mais je n'ai pas fini, c'était pour la voile, est-ce qu'on la replie? Alors oui, si on sait exactement où vous êtes, ouais, il faut la replier, parce que sinon, avec l'hélico, il ventile beaucoup, donc ça peut regonfler la voile, donc ça, vous la repliez si on est sûr. Mais par contre, si vous ne savez pas exactement votre lieu, si on n'arrive pas à vous géolocaliser, ouais, la voile, elle va nous aider à vous retrouver plus facilement aussi. Par contre, si vous avez replié votre voile, il y a du monde, vous voyez, il y a du monde sur un sentier en dessous. Ouais, mettez bien vous savez, le Y, et ça c'est pas mal de vraiment bien le faire. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous voient, qui voient l'hélico, il y a plein de touristes qui nous font coucou. Donc ça c'est super sympa, mais le problème c'est que ça ne nous fait pas gagner du temps, quoi. Donc ouais, voilà, ce qui peut nous aider, c'est ça, vraiment vous signaler avec des tenues. Si vous avez des tenues un peu de couleur, c'est sympa, ouais. Ici, que des tenues noires, si vous avez tout replié, comme ça on vous voit un petit peu mieux. Ouais. Et du coup, pour rester un petit peu sur le matériel, est-ce qu'il y a d'autres choses? Je parlais tout à l'heure d'un arbrissage. Est-ce qu'il y a, disons, une trousse de survie ou le matériel indispensable dont tout parapentiste devrait disposer pour survivre et pour vous aider à nous secourir? Alors après, ça va être plus... pour vous, je sais pas, si vous êtes dans un arbre, après d'avoir un petit bout de sangle, c'est pas mal. Au moins, si vous avez une grosse branche à côté de vous, au moins vous retenir. Je sais pas, si vous voyez pas si la voile est bien accrochée, quoi. Si elle est bien accrochée, vous n'allez pas bouger, mais ça peut nous aider. Après, voilà, il y en a qui mettent des petits bouts de corde. Bon, si vous savez vous en servir, c'est pour redescendre. Après, des fois, vous devez attendre un petit peu, appeler les secours pour faire ça tranquillement, pour pas retomber, quoi. Ouais, après, vous avez vu dans les bouquins, ils parlent de miroir, ça peut être, si oui, ça n'arrive pas à vous, mais après, ça, c'est pas super évident non plus. Non, vraiment, ouais, c'est plus pour votre sécurité, c'est-à-dire, voilà, pour pas retomber plus bas si vous êtes accroché à... donc, une sangle, c'est pas mal, déjà, si vous avez ça, un petit bout de corde, voilà, pour vous attacher, ouais. D'accord. Après, au niveau de la communication, donc, idéalement... le portable, mais des fois si le portable ne passe pas, qu'est-ce qu'on a, la radio? Alors il y a la radio, donc il y a la fréquence de la FFVL. Donc, alors les pilotes, voilà, quand il y a par exemple un accident, ils peuvent, voilà, si vous la mettez dessus, eux ils vont se mettre. Il y a beaucoup de parapentistes, mais c'est pas à chaque fois qu'ils vont le faire, quoi. C'est vraiment s'il y a beaucoup de parapentistes, ils vont mettre la fréquence et passer un message à tous les parapentistes, mais voilà. Après, de toute façon, si vous avez réussi à appeler, ou alors, bon, sauf si c'est quelqu'un d'autre, hein, mais si vous avez réussi, c'est que le réseau passe à peu près où vous êtes. Et normalement, vous n'allez pas bouger, donc on devrait réussir à vous avoir. Mais après, nous, le principal, c'est d'avoir, si vous êtes localisé, après, voilà, c'est moins gênant, quoi. D'accord. Donc, on a parlé matériel, on a parlé comportement au sol lorsque l'hélicoptère intervient. Maintenant, pour nous, autres parapentistes, par exemple, qui observons une intervention, on est en vol. Comment devons-nous nous comporter, en fait, par rapport à l'hélicoptère? Alors, si vous n'avez pas la radio, la fréquence, et ben vous quittez la zone. Le plus simple, c'est vraiment de quitter la zone. Parce que, bon, dans l'hélicoptère, il y a déjà 5 personnes, mais si c'est un accidenté, si c'est assez grave, les secouristes et le médecin sont déjà plongés dans leur secours, à préparer.
comparer un peu ce qu'ils font à l'intérieur des locaux. Donc eux, ils ont, même s'ils essaient de regarder l'extérieur pour avoir un parapentiste juste à côté, mais voilà, on ne peut pas se permettre, pour le parapentiste, de rester jouer à côté, quoi. Alors même si c'est le super thermique de la journée et vous n'avez pas bougé depuis un mois, bah non, il faut vraiment quitter la zone parce qu'en plus, déjà vis-à-vis de la victime, hein, pour essayer d'aller plus vite sur la victime, et pour vous, parce que l'hélico, le 145, il ventile vraiment fort, quoi. Donc on ne joue pas là-dessus, s'il y a un accident, tant pis, tout le monde quitte la zone. Hein. D'accord, au moins c'est clair. Il y a une petite chose en fait. Est-ce que, par exemple, le PSC1, c'est quelque chose qui est une formation utile, finalement, pour les premiers secours dans notre activité à nous, en montagne? Ou est-ce que c'est un peu superflu? En montagne, mais même un parapentiste. Alors moi, pour moi, tout le monde devrait passer, un minimum de secouriste pour tout le monde, c'est l'idéal, ouais. Surtout que c'est vraiment les bases, mais même un déco, même en pleine, hein, ça peut... Je pense que, tout le monde devrait avoir un minimum de formation en secourisme. C'est vraiment ça qui va sauver des vies, quoi. Parce que vous avez vu les délais qu'il y a. De toute façon, s'il y a une grosse hémorragie, si on intervient dans les 30 minutes, il y a déjà beaucoup de dégâts de fait si la personne ne peut rien faire à côté, quoi, si elle n'est pas formée. Ouais, je conseille à tout le monde de faire un minimum de formation de secourisme. D'accord. Et d'avoir un pansement compressif peut-être dans le kit de survie dans ce cas-là. Ouais, si vous savez où en servir, ouais. D'accord, ouais, il faut savoir se servir en effet, ouais, c'est ensemble. Pour le parapente, ici, là, tout ça, ils le disent bien, même c'est marqué aussi. Ouais, un chute, c'est pas mal d'avoir un pansement compressif, ouais. D'accord, on va peut-être rajouter ça, nous au club, on a en effet un kit de survie qu'on fournit à chaque nouvel adhérent. Je partage aussi hein, pour les autres clubs qui nous écoutent peut-être. Et on a un sifflet, une couverture de survie, une cordelette et une corde pour s'attacher dans le cadre à brissage, comme tu disais. Et certainement, on va devoir rajouter le pansement compressif. Mais ça, c'est l'avoir, c'est une chose. Savoir l'utiliser, c'est autre chose. Donc, tu fais bien de le rappeler. Formation, surtout que c'est assez rapide, ces formations-là. Mais ça vaut vraiment le coup, je pense. Mais même pour la vie de tous les jours. Hein. Ouais, complètement. D'ailleurs, il y a d'autres pays en Europe qui font ça d'office. Voilà. Ça, c'est des questions politiques. J'ai une question là sur le YouTube. Est-ce que l'hélico voit les parapentes ou doit-on s'écarter si on le voit même s'il transite? Oui. Enfin, on voit, oui, on peut le voir, mais on peut ne pas le voir aussi. Ce que je disais, il y a quand même, si on en vole, il y a 5 personnes à l'intérieur, donc on connaît un peu les zones. Zones où les parapentes se retrouvent, hein, on essaie, même si c'est le parapente est prioritaire, mais ça peut arriver selon l'angle qui est donné, la couleur de la voile, des fois on la voit un peu au dernier moment. Ouais. Donc, si on voit que l'hélico va prendre une vraie trajectoire, on s'écarte un petit peu. Ouais. Il vaut mieux assurer le coup, parce que ça peut arriver, on le voit au dernier moment. Ouais. Non, écartez-vous un peu, je pense que ça assure. C'est mieux pour tout le monde. D'accord. Bah écoute, on arrive un peu à la fin de notre séance. C'était donné 19h. Si je résume vite fait, en gros, la gestion des risques, c'est quelque chose qui est plutôt ancré dans votre culture à vous, parce que vous avez eu les mêmes problèmes que nous, mais bien avant. Donc vous avez pu mettre en place des choses, notamment cette matrice 3-3 dont tu nous parlais et qui, comme je le vois, pourra certainement être facilement transposable à notre activité. Donc ne pas oublier la préparation et penser à des alternatives à chaque fois. Donc ça, c'est riche d'enseignements. D'autres choses, tu nous as rappelé un petit peu le comportement à avoir en cas d'intervention et pour vous aider à intervenir. Donc ça, c'est aussi des conseils très intéressants. Et comme je disais, là, l'idée, c'était pas de faire de la formation, mais plutôt de l'information. Donc tu nous as donné quelques pistes aussi pour continuer à avancer, à se former là-dessus. Donc ça, c'est super. Donc du coup, j'aimerais en profiter pour te remercier à nouveau pour ton intervention, Thomas. Merci beaucoup pour ta disponibilité et ta réponse. Et je ne sais pas s'il y a des questions encore des personnes qui nous suivent sur YouTube. On peut encore en prendre une ou deux. Donc, plus de questions sur YouTube pour l'instant. Plus de questions, d'accord. Dans ce cas-là, j'en profite aussi pour remercier Pauline et Jean-Luc qui ont mis en place cette soirée là sur YouTube. Et puis voilà, on se dit certainement une prochaine. Donc je ne sais pas si vous avez un mot de la fin à partager.
Thomas, tu as quelque chose à rajouter éventuellement? Non, bah ouais, faites tout le monde attention et faites attention à vous et profitez bien de ce sport, quoi. En attendant qu'il n'y ait plus de sud dans les Pyrénées. Super. Jean-Luc, quelque chose à rajouter? Non, moi je suis très content de la soirée et je remercie Thomas, mais aussi toi, Benjamin, pour l'intervention et puis Pauline pour la partie technique. Très bien, ben merci à tout le monde. On va couper le lien YouTube et puis nous, on peut rester en ligne pour se dire au revoir. Merci à tous, salut. Merci à tous. Pauline, tu dis quand c'est coupé ?